Merci, Madame Sénécal, c'était vraiment intéressant. Notre deuxième participant est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'activité physique, ancien directeur d'école et ancien chargé de cours à l'Université de Montréal. Il est aussi un blogueur et chroniqueur assidu. Il a fondé son propre espace en 2002, Mario. Quelques idées fortes, mais en même temps, je ne vous surprendrai pas ce matin. C'est le bagage du temps où j'avais fondé un programme où chaque enfant disposait de son propre blog et qui m'a mis vraiment dans le changement. Et je tiens à dire que seul, je serais allé très vite dans ça, mais l'idée, c'est d'être ensemble. Ensemble, dans le changement, on va beaucoup plus loin. Et c'est une des pistes qu'il faut vraiment retenir ce matin. Pas s'isoler dans le changement. Et aussi, ben, dans un certain sens, pour avoir un peu de prise sur ce qui s'en vient, la meilleure manière, c'est peut-être de l'anticiper, donc de l'inventer. Hein? On a une prise sur le changement, on peut le diriger vers ce vers quoi on croit. Alors, plutôt que d'attendre qu'il se manifeste, prendre un peu le devant, je dirais que c'est ça aide à gérer le futur. Et prendre le devant, ça veut aussi dire pas avoir une attitude de le subir. Surtout en éducation, compte tenu qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des jeunes eux-mêmes, gérer le changement dans le numérique, c'est aussi essayer de voir comment eux composent avec les nouveaux usages. Comme cadre, se placer dans une posture où on le subit, c'est jamais très bon. Et moi, un des trucs, en tout cas, que j'ai utilisé, c'est d'animer les professeurs, animer les parents, de la même façon dont je souhaitais que les profs animent leur classe. Lorsque les cadres adoptent des nouvelles postures dans leur quotidien, ça parle beaucoup plus fort que n'importe quel discours qu'on peut faire. J'ai participé à un projet qui s'appelait Futur Éduc, qui s'appelle encore comme ça. Il y a des jeunes, entre autres, qui nommaient jusqu'à quel point ils avaient envie d'apprendre avec les professeurs plutôt que d'apprendre par le professeur. Pour moi, c'est un gros changement et c'est un peu la même chose. Aux heures de questions. Et dans le choix des questions, on a souvent l'occasion de planter les réponses. Avant l'arrivée d'Internet grand public, je crois que nous, les cadres, avions une certaine façon de penser, et depuis l'arrivée d'Internet grand public, les jeunes, eux, ont entrepris leur relation avec le savoir complètement différemment. Essayons donc pas de régler les problèmes de la manière que nous, on les réglerait normalement, mais prenons un peu l'exemple sur les jeunes. Et dans ça, ben, il faut se souvenir que plus on a une communauté forte, ben, plus il y a d'idées qui peuvent sortir. Beaucoup plus, en tout cas, que si on est seul à vouloir puiser l'inspiration. Moi, le modèle des communautés de pratique, le modèle des communautés sur le Et une des raisons pour laquelle le lieu est très, très secondaire, entre guillemets, ben, c'est que justement le contexte, ça aide à fixer un contexte.
Par contre, vous savez que le changement, on voit qu'il nous arrive de plus en plus vite. Et nous, il faut contrer ça un peu pour dire, ben, calmez vos désirs de résultats rapides. Parce qu'on pèse sur des pitons, on obtient des réponses, mais les êtres humains, nous, on n'en a pas de pitons sur lesquels on peut peser pour trouver les bonnes réponses. Et j'ai vécu beaucoup de choses avec les tout-petits en particulier, hein, où il y a moins de délai. Il faut prendre le temps de voir avec eux autres comment on peut allonger le délai avec lequel la réponse arrive. Le stimuli, il est drôlement encouragé par les technologies. On a un rôle comme être humain, même avec les adultes, de s'assurer qu'on respecte le délai. La publication web, ça c'est le gros secret aussi pour gérer le changement. Les jeunes s'affirment énormément aujourd'hui en tant que producteurs de contenu. Ben, nous aussi, il faut apprendre. Il faut prendre notre place dans cet univers-là. Et les élèves, si on voit comment on peut, parce qu'ils accordent de la valeur à un travail, ils accordent de la valeur à quelque chose qui est publié. Hein, c'est un peu comme l'extension normale. Je travaille, je prends ça au sérieux, c'est en vue qu'il soit publié. Alors, le truc que je remets à mon professeur, puis qu'il garde ça dans son bureau, ça a comme un petit peu moins de sens aujourd'hui. Gardons ça en tête dans la gestion du changement numérique. C'est une des grosses caractéristiques. Ça exige un nouveau rapport avec le savoir. Ça exige que 100% de ce que je veux faire apprendre n'a pas nécessairement passé par ma tête pour transiger vers les étudiants. Mais c'est la même chose aussi comme cadre. Hein? 100% de ce que je veux, avec les politiques que je veux monter, ça n'a pas nécessairement. Et là-dedans, la posture d'apprenant est extrêmement importante. Les enseignants disent, ceux qui survivent, ou en tout cas ceux qui s'épanouissent le mieux là-dedans, c'est ceux qui ont pris la posture d'apprenant. Ben, les cadres, c'est la même chose. La gestion du changement, il faut vraiment que le bouton « apprendre » il soit « on ». Là-dessus, on ne peut pas s'en sortir. Si on reste dans l'ancien principe, ça va être difficile. Pour apprivoiser le futur, ben, l'innovation, c'est la clé. Rechercher l'innovation, toujours être à l'affût. Pas nécessairement être dépendant, hein, ça ne veut pas dire que tout le temps, innover, c'est bien. Mais il faut être perméable à l'idée. On a beaucoup d'avantages à voir dans la société. Qu'est-ce qui représente une plus-value? Et avoir les yeux toujours sur notre téléphone, le portable, c'est pas nécessairement toujours de l'innovation. Je vous remercie de votre écoute ce matin et bonne journée! Merci beaucoup, M. Asselin. Nous poursuivons maintenant avec notre prochain aliment. Cumulant près de 20 ans d'expérience, notamment à titre d'enseignant et de gestionnaire en éducation, c'est maintenant à titre de directeur adjoint des services éducatifs des jeunes à la Commission scolaire de la Capitale qu'il se consacre au monde de l'éducation. Reconnu pour son leadership rassembleur, il mobilise ses équipes autour de valeurs éducatives fortes et d'une vision pédagogique unique. Je m'excuse, j'ai fait un petit saut. Autour de valeurs éducatives fortes et d'une vision pédagogique claire, se traduisant notamment par les nombreuses mesures mises en place pour contrer le décrochage scolaire. Je m'excuse, là, j'ai stressé, là. Sa vision novatrice de la gestion et de la pédagogie transversale, ainsi que par son soutien indéfectible au rendez-vous des écoles francophones en réseau, mesdames et messieurs, accueillez M. André-Marc Goulet. Bonjour, bonjour. Je vais attendre que le PowerPoint que je viens de déposer il y a 2 secondes. Et pour ceux qui étaient au souper hier, je pense que j'ai fait. J'ai écrit plein de choses, mais disons que j'étais bien comme hier, c'est pas pour rien. Mais on va livrer un discours incroyable. D'ailleurs, j'en profite en attendant pour remercier tous ceux et celles qui ont écrit. J'ai pas eu le temps de me mettre à jour sur le fil Twitter, donc excusez-moi, je vais le faire dans la journée, mais plein de belles choses, vous avez été super gentils. Merci beaucoup pour ceux et celles qui ont assisté au souper hier, de tout cœur. Ça a été vraiment très agréable. Hey, il est parti! Moi, quand on m'a demandé ça, je vous dirais que ça n'a pas été long que j'ai eu comme un petit sentiment. Écoutez, ni au rang des agents de changement. Mais vous dire ça, ça donne quand même une petite dose d'anxiété. Quand je me suis dit à qui je m'adresse,
Hey, je m'adresse à du monde créatif, éminemment créatif, du monde qui, dans leur vie, vivent le changement de façon incroyable. Et quand j'ai commencé à lire sur le sujet, j'ai dit, là, il faut absolument que j'aie un cadre théorique. Il faut que je fasse quelque chose. Puis là, à un moment donné, il y a un autre sentiment qui m'a envahi. Puis là, je suis devenu zen. En me disant, si le refaire m'a choisi, c'est peut-être parce qu'il considère que j'ai quelque chose à apporter. Donc, je vais vous parler bien humblement de ma vie personnelle, de ce que j'ai vécu, de comment moi je le vois ça, et ça va me faire vraiment plaisir de partager ça avec vous dans les prochaines minutes. Alors, si on commence tranquillement, je vais vous dire, en éducation, bon, ça a l'air qu'on me reconnaît ça, que je suis un agent de changement, je suis vraiment très, très, très honoré de ça. Mais je me suis dit, pour les besoins d'exercice, je vais essayer de trouver un domaine où j'excelle un peu moins. Un domaine où le changement, c'est ordinaire. Ben écoutez, la GAR, la gestion axée sur les résultats, n'a pas nécessairement bonne presse. Et on ne peut pas non plus en vouloir à ces gens-là. Si on ne base que sur l'évaluation, la performance des élèves, la performance des enseignants, on fait fausse route. Dans le fond, ce qu'on veut faire avec la gestion axée sur les résultats, c'est voir si les moyens mis en place donnent quelque chose, comme dirait l'autre, que ça donne. Essentiel, que ça donne. Moi, je vais vous le dire, il y a possibilité de varier ces indicateurs. De vraiment, lorsqu'on est en gestion, parce que je suis gestionnaire pour l'éducation, de suivre la progression des enfants. Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Est-ce qu'on est capable de mesurer leur engagement? Ça, ça compte. Et malheureusement, on est souvent déficitaire de ce côté-là. 5 éléments, moi, que je considère, David Blachard qui dit, si ces éléments-là sont présents, vraiment, il y a un changement qui va pouvoir être initié. Mais, quand on mélange n'importe quoi, ça donne toujours un smoothie vert. Moi, vous le dire, les smoothies verts, j'aime pas ça. Mais ici, ça, c'est une vraie recette. Ça, c'est n'importe quoi. La vision. Pas de vision. Vous n'avez pas de vision? Le monde va être confus. Ils ne sauront pas où aller. Le changement ne sera pas là. L'incitation. Allez chercher votre monde. Faites en sorte qu'il soit partie prenante. Sinon, le changement va être très progressif. Pas de compétences, je vais vous le dire, les gens vont être anxieux, ils ne sauront pas par quel chemin prendre. Les ressources, hey, qualité de l'air dans une école. Moi, là, je me dis, hey, j'ai un bon plan, j'ai une bonne vision. Moi, je veux que ce soit super. J'incite mon monde. Vous allez mettre les chaises sur vos pupitres. Vous allez faire plein de choses. Les gens sont compétents. Écoutez, mesure, analyse, incroyable. J'ai un plan d'action sur 3 ans, mais je n'engage pas de concierge. Les ressources. Plan d'action. Si jamais je prends le temps de dire au monde, on y va, maintenant, go! Faut dépendre. Mais s'il n'y a pas de pomme, c'est encore un smoothie vert. C'est vraiment important de comprendre que ces éléments-là doivent être présents et ça, ça change absolument rien. Je l'ai déjà fait. C'est ça que je disais. Le lead management de la méthode Toyota. Hey, les enfants, là, c'est pas des chars. Hey, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai. Hein? Moi, je me lève le matin en me disant, oui. Non, mais que l'administratif soit vraiment au service de l'éducatif, de la pédagogie, que les ressources financières, matérielles soient vraiment dédiées à l'élève, ça, c'est une vision. Et le lead management, lorsqu'on dit, est-ce qu'il y a des gestes administratifs qui sont incontournables? Oui, on le fait. C'est pas incontournable. On se craque. On n'est pas obligé de le faire. Geste administratif, écoutez, le numérique nous permet d'automatiser plein de choses. Pourquoi? Ben pour faire la différence. Je demande à une secrétaire, tu préfères-tu faire quelque chose en 5 minutes ou en 5 jours? Soit, il aime ça faire ça en 5 jours. L'administration, ça, c'est toutes des actions qu'on peut faire, ça. Ça, c'est incontournable.
Mais si on fait vraiment en sorte que ces éléments-là deviennent moins pénibles, qu'il y a vraiment une plus-value, qu'on va chercher des minutes importantes pour faire quoi? Ben, pour faire d'autres choses que de gratter du papier. On doit le faire. Ici, si on mobilise notre monde, si tous les éléments sont présents, je vais vous le dire, on va être en mesure d'opérer ces changements-là, de faire en sorte que ces éléments-là deviennent pour les élèves beaucoup plus significatif. Et je vous dirais même que dans notre milieu, ça nous a permis quand même d'économiser des centaines d'heures. Mais pas d'économie pour couper du personnel. De l'économie qui nous permet de dégraisser les processus administratifs. Et moi, je vais vous dire, dégraisser les processus administratifs, c'est une chose, mais j'ai toujours, toujours un petit faible pour ce qui est là, ici, à gauche. Mais ça, c'est super. Ben, ça va donc bien, bien, mon enfant. D'habitude, c'est pour ça que c'est un gros, mais c'est pas grave. Écoutez, gratter moins de papier, on automatise, on met le numérique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait plus d'accompagnement. C'est ça que ça sert. Le lead management en éducation, dégraisser des processus administratifs pour être en service aux écoles, aux élèves, à notre personnel qui ont besoin des professionnels aussi pour les soutenir. Et je vous dirais que pour être un agent de changement en éducation, OK, je l'assume. Au niveau de ma vie personnelle, au niveau de la santé, peut-être un peu moins. Parce qu'il me reste quelques petites croûtes à manger, peut-être même de la salade ou un saut d'hiver. Qui sait, peut-être que ça va arriver un jour, mais pour l'instant, non. Ma Fitbit me donne des statistiques incroyables. Je suis pathétique, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci, monsieur, pour cette performance vraiment captivante. Poursuivons maintenant avec l'avant-dernière conférencière. Après avoir été consécutivement conseillère pédagogique en France, sur la côte ouest des États-Unis, ainsi que directrice d'établissement en Amérique du Sud, elle a occupé les fonctions de chef du projet au sein de la Direction générale de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale en France, ayant à charge les usages numériques au premier degré. Elle a rejoint, depuis la rentrée 2015, le réseau MLF America avec une mission de conseillère pédagogique. Mesdames et messieurs, accueillez Mme Julie Higounet. Oui, alors il y a un petit QR code que vous pouvez scanner pour avoir la présentation et pouvoir aller un peu plus vite, revenir sur ce que je dirais peut-être un peu vite. Là, tout est sous contrôle, puisque c'est la régie qui va faire partir normalement le... Go ! Eh bien, on y va. Alors, titre de la présentation, « Former avec le numérique, élève, réunit, innove et surtout ouvre les portes de la créativité ». C'est vrai. Ça fait une quinzaine d'années que je fais des animations pédagogiques, que je suis des réseaux, et le numérique a en fait grandement changé ma vie de formation, et tout a changé du tout au tout. Donc, on va faire un petit tour d'horizon, et puis je vais essayer de vous faire entrer un petit peu dans ma vie, dans mon quotidien, pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc, former, c'est plusieurs choses, et c'est pour moi essayer de remettre les gens dans un mouvement de pensée et vers un changement, une posture de mouvement, et pas nécessairement dire voilà ce que nous apportent les programmes et voilà là où il faudra aller. C'est surtout aider les gens en fait à se redéfinir et à bouger. Donc, c'est accompagner, élever, faire grandir. J'ai un peu de mal avec ce terme formation qui, pour moi, est un encart, en fait, un peu trop fermé. Là où on devrait plutôt ouvrir les choses. Donc, grâce au numérique, en fait, je peux m'appuyer sur trois leviers qui m'aident, en fait, à éveiller la créativité des enseignants avec lesquels je travaille. C'est la production, la collaboration et la motivation. Ce sont trois leviers importants qui sont ouverts par le numérique. Et je vous ai mis « produire » en jaune, parce que c'est le plus important et c'est la première couleur que voit votre cerveau. Donc, premier élément, la collaboration. La collaboration, pour moi, c'est un état de fait qui est permis par le numérique et qui fonctionne un tout petit peu différemment du moment qu'on décide de mettre entre les mains des enseignants d'autres outils. Premier élément, quand on est en formation,
C'est terminé de travailler tout seul. Je propose en fait systématiquement d'écrire ensemble et de ne plus prendre de notes seul. Et là, il se passe des choses que je n'espérais pas. Comme je disais au groupe d'avant, pas mal de surprises. On voit mieux et on comprend mieux quand, au regard de ce que peuvent noter les choses, les autres. Je vous ai mis ici un court exemple de la dernière formation que j'ai faite il y a 15 jours sur une note collaborative où les enseignants ont ajouté tout un tas d'éléments qui ne faisaient pas partie initialement de la formation, mais qui sont des ajouts personnels qui ont notablement enrichi et augmenté le contenu de la formation, à savoir des biographies, des travaux, ils ont même numérisé tout un tas de données. Autre élément, je ne fais plus mes formations toute seule. Je collabore avec d'autres au travers du pays ou de la France et j'invite régulièrement, via des Skype, des FaceTime, tout un tas d'enseignants, à venir expliquer ce qu'ils font. Je ne suis plus jamais seule. Je peux faire entrer des gens qui ont des compétences beaucoup plus pointues que les miennes sur certains domaines. L'autre élément, c'est que grâce au numérique, je peux aiguiser la curiosité des gens qui viennent me voir et qui travaillent avec moi pendant un certain temps. Comment se faire ? Ben, deux modalités, deux biens importants. Le premier, c'est, et je vais demander à Alexandre Ballet s'il est là de lever la main. Voilà, c'est le spécialiste de la classe inversée en France. Si vous ne le connaissez pas, il faut aller le voir. C'est de commencer à travailler sur le début de l'inversion. On ne vient plus en formation un jour J, on commence à y venir toujours 15 jours avant. J'envoie une vidéo, je propose une lecture, je propose des annotations collaboratives pour commencer à se poser des questions. On ne commence pas à se poser des questions le jour où on franchit la porte. Et puis, de manière systématique, en fait, je commence à créer ce qu'on appelle des professional learning space avec des revues de presse Twitter systématiques, c'est-à-dire que chaque journée qui passe, on commence la journée de formation par une revue de presse Twitter en fonction de la thématique abordée. Tout ça dans le but de créer un mouvement. La formation, elle ne s'effectue pas qu'en milieu clos, à l'intérieur d'un espace. Je veux que gagner un peu sur l'autonomie des enseignants et leur permettre de voir que je peux me former en tout temps, sur tout temps et en n'importe quel espace. Je peux le faire à l'intérieur de la salle via un plan de formation programmé, mais je peux aussi le faire en extérieur, via certains outils comme Twitter. La fluidité des lieux, là aussi les choses changent, mouvement intérieur et extérieur, et on n'est plus obligé de se limiter à fonctionner dans une salle de classe. On peut ouvrir les espaces et fonctionner un petit peu ailleurs, et c'est surtout dans cet ailleurs, je pense, qu'il faudrait fonctionner. Ici, je vous ai mis un exemple, je cours un peu, d'enseignants, j'essaie d'investir l'ensemble des locaux d'un établissement de manière à ce que les enseignants partent à la recherche des informations. Ce n'est pas toujours à moi de les donner. Et là, je me base sur une étude de Berkeley qui fait mention du fait que partir à la recherche et être en mouvement, c'est beaucoup plus intéressant en termes de mémorisation des compétences, de mémorisation des contenus. L'autre élément que me permet le numérique, c'est de travailler en compétence globale. La compétence globale, c'est une compétence, il y a deux côtés. Il y a le côté clair et le côté obscur. Côté obscur, c'est la réception, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à laisser les gens en réception. Or, l'élément le plus important, je crois, en formation, c'est de les faire produire. Tant qu'on ne produit pas, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas la façon dont ils assimilent l'information. Aujourd'hui, avec le numérique, je suis sur le modèle numéro 2 et je passe en production plus de 50% du temps. Dernier élément que me permet le numérique pour faire travailler un petit peu tout le monde dans le sens de l'accompagnement et de l'élévation, c'est la lenteur. Tout le monde dit aujourd'hui le numérique, ça allait vite, ça allait vite, ça allait vite. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut ralentir le temps, c'est ce que j'expliquais dans le groupe d'avant sur les formations, et qu'on peut travailler sur des temps beaucoup plus lents. Aujourd'hui, l'hybride, c'est la norme. Je viens en formation, on fait un temps T1, mais je peux reprendre les gens sur un temps T2, un temps T3, et on peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux entre-temps. Et puis, pour finalement arriver à des éléments beaucoup plus aboutis qu'ils ne seraient autrement. Enfin, dernière chose, c'est que tous ces éléments-là me permettent de ne plus rester enfermé dans ma salle de classe. Vous l'aurez compris, fluidité des lieux, des mouvements. Je peux créer des réseaux de développement professionnel vivants, actifs pour les enseignants en permettant à ces communautés de vivre à l'extérieur, notamment à l'aide des réseaux sociaux. Tout ça m'aide à travailler sur développer chez les enseignants la créativité qui, au final, si vous connaissez Isabelle Capron, elle a défini la créativité via tous ces biais-là. Et je suis très en retard.
qui vit par la collaboration, qui vit par une image plutôt globale et qui permet en fait, je terminerai par ces mots-là, qui permet en fait la créativité. Ce qu'elle dit, c'est que c'est la collaboration en fait de l'imagination et de la pensée conceptuelle. Et ce matin, une enseignante vous expliquait, enfin Anjansou vous expliquait que c'était en fait une flexibilité neuronale. Et je crois que notre métier à nous, pour ceux qui sont formateurs, c'est de la faire vivre à plein temps, cette flexibilité neuronale. Voilà, manière créative. Excusez-moi pour ma dernière intervention qui était remplie d'imprévus. On va poursuivre avec notre... Alors là, je ne sais plus, on est rendu à quel participant à cause que... Oui, donc je sais son nom. Cinquième, merci. Et c'est un enseignant au troisième cycle du primaire à l'école L'Étoile. Carl intègre les technologies au quotidien à sa pédagogie depuis déjà plusieurs années. Titulaire d'une classe iPad 1 pour 1 pour une troisième année consécutive, il est très impliqué dans les divers dossiers pédagogiques numériques de la Commission scolaire des navigateurs. Mesdames et messieurs, accueillez M. Carl Parent. J'ai toujours été un amateur de technologie. Je suis devenu prof par après, j'aimais les technos avant, et quand j'étais à l'université, je rêvais d'avoir une classe où chaque élève aurait son ordinateur portable. Ma vision à l'époque était très, très, très peu définie, c'était juste parce que ça va être cool. Alors, c'était ma seule motivation qui s'est évidemment améliorée un petit peu avec le temps. Les années qui ont suivi ont été des années très intéressantes pour le technophile en moi. Donc, toutes les plateformes qui sont là, c'était des plateformes qui n'existaient pas quand j'étais à l'université, qui étaient encore très jeunes. Alors, la vie a changé dans les 10 années qui ont suivi la fin de ma formation universitaire, autant du côté des applications, des plateformes, que le web, que ce qu'on a entre les mains, tout ça a changé. Mais ça n'a pas paru tout de suite dans dans ma réalité professionnelle. Il n'y avait personne qui avait d'argent pour acheter quoi que ce soit. Donc, les directions, les commissions scolaires. Il y avait un principe de justice bizarre à respecter, que si on rentre 2 ordinateurs dans une classe, où tous les profs aient 2 ordinateurs aussi. Lab informatique répartit également entre les profs, même ceux qui vont juste jouer à mini-clip. C'était très difficile. Je me sentais un petit peu seul dans mon monde. Qui veut intégrer l'éthique. Donc, j'étais avec mon petit ballon Wilson, tout seul sur mon île, quand même près de l'arbre des câbles informatiques, parce que c'est la seule fois que je voyais du monde, c'est quand les gens voulaient que je branche le câble ou que je leur prête mes câbles. Donc, je ne m'étais pas loin de là pour avoir une vie sociale. J'ai été sauvé, j'ai été chanceux, il y a un bateau qui est passé, qui m'en est de l'autre côté de l'île, et c'est Twitter. Donc, j'ai commencé à suivre. Au début,
T'es un peu voyeur hein, sur Twitter. Là, au début, t'oses pas trop commencer à t'impliquer beaucoup. Et ces gens-là m'ont permis de voir ce qui était possible de faire et je me sentais beaucoup moins seul dans mon monde. Ça m'a aidé à avoir une vision un peu renouvelée de autant l'éducation que ma classe, que l'intégration des TIC. J'ai commencé à voir des choses qui m'inspiraient beaucoup. Et j'ai mieux compris un petit peu, à part le C'est cool, à quoi la pédagogie devait servir en éducation, donc vraiment être le soutien aux apprentissages. Et là, j'ai regardé, j'en étais où, moi, à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai réalisé que dans ma zone de confort. Je voyais des belles images comme celle-là où ta zone de confort n'est pas dans. Et c'est pas là où la magie se produit. Moi, j'étais carrément dedans, plein de cahiers d'exercices. Je ressemblais de plus en plus au prof de primaire que j'avais eu et que je voulais, que j'aimais pas vraiment. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai eu l'idée de faire du Bring Your Own Device. Alors, une fois par semaine, c'est ce qu'on faisait. Première journée, on fait ça, les élèves ont les appareils. J'ai vite réalisé que, un, c'était pas leur appareil à eux, c'était à leur frère, à leur mère, tout le kit. Et j'avais une belle pile d'appareils avec moi. Donc, pas grave. Petite activité simple pour commencer. On va lire un fichier PDF. Tout le monde ensemble, ça va être extraordinaire. Une heure plus tard, j'avais chaud. Beaucoup. D'ailleurs, les élèves n'avaient pas commencé à le lire. L'autre, c'est fini. Et ça a été ça pour toutes les premières fois que j'ai essayé d'intégrer. C'était pas parfaitement comme je l'avais pensé. C'était pas tout à fait ça. Mais j'aimais bien le concept et je suis tombé avec des tablettes. Et je me suis acheté une tablette moi-même à l'époque, et ma conjointe a gagné une tablette avec un petit dessin de pomme en arrière. Et quand j'ai fini par oser toucher, ça a été une révélation. À quel point que cet appareil-là, contrairement à l'ordinateur, était un appareil extraordinaire pour faire ce que je voulais faire en classe avec les élèves. Ce qui m'a donné l'idée de dire, ben, ce serait extraordinaire si les élèves avaient tout cet outil-là entre les mains. Alors, je vais voir ma directrice, on a organisé une rencontre au sommet avec le directeur des SRTIC, ma direction et moi pour parler de ma vision. Grosso modo, la finale a été, dites aux parents de l'acheter, qui était un peu drôle à la base, mais qui c'était très, très fonctionnel. Et le constat que je fais de cette réunion-là, c'est que j'ai parlé aux bonnes personnes. Donc, j'aurais pu juste tweeter des affaires, c'était le fun de changer. Donc, j'ai parlé aux bonnes personnes et ça m'a aidé à avancer. On a aussi appliqué le concept de penser en dehors de la boîte pour innover dans la boîte. Ce que George Kouros dit un peu, c'est bien beau, là, mais il y a toujours des boîtes. On a beau vouloir innover, il faut quand même que dans les structures qui existent, il faut absolument que ça soit réalisable et faisable. Ça, c'est mon an 1. Donc, j'étais en mode exploration beaucoup, et je me pétais la gueule quotidiennement, à répétition, pas les mêmes erreurs, mais à répétition, et ça a été très, très formateur. Je me suis mis en posture d'apprenant, pas toujours par choix, mais j'ai vraiment aimé, ça a été très, très enrichissant pour moi. Et là, j'ai commencé à vouloir partager, parce que j'avais des choses à dire, j'avais des choses, que je vivais des choses. Donc, j'ai commencé à tweeter, j'ai été un petit peu plus actif, et j'en ai parlé aussi à des collègues de la commission scolaire qui ont décidé que l'idée était assez intéressante pour essayer de la reproduire un peu à leur façon dans leurs écoles, donc ça a été extrêmement positif pour moi. L'an 2, j'ai changé d'école, parce qu'une nouvelle école où la pédagogie numérique était intégrée au quotidien qui ouvrait, donc un moins de bâton dans les roues. Et là, soudainement, je n'étais plus celui qui dérangeait. Parce que tout le monde est un petit peu comme moi. Donc, tout le monde est un petit peu intéressé par la technologie, tout le monde voulait aller de l'avant et innover. Et c'est probablement ce qui a ultimement fait en sorte que je suis devenu temporairement conseiller pédagogique. Et là, on veut évidemment être partout. Hein? On veut assister à différentes conférences parce qu'on ne veut pas retourner dans une zone de confort, même avec les iPads. Donc, on veut aller se former, on veut aller partout. Et là, on se rend compte qu'on veut aussi donner. Donc, j'ai commencé à donner quelques conférences, quelques ateliers, quelques Ignite comme ici. Mais on se cachera pas. Si on vient à des événements comme ça, c'est pour voir le monde, c'est pour socialiser, c'est pour marcher dans son fil Twitter. Alors, la vraie définition d'un agent de changement, ce serait quelqu'un qui, par une action directe ou indirecte, agit consciemment sur son environnement pour implanter le changement souhaité. Puis ce qui est fun, c'est qu'il y a plein de monde ici, dans les foyers, et qu'on est plus à demander sur YouTube, qui sont des agents de changement, qui prennent déjà des actions pour être en mesure de vivre le changement. Vous l'avez vu en masse, vous l'avez tweeté, vous l'avez liké, reliké. Il faut que vous la partagiez dans vos milieux. Il faut absolument que les gens entrent dans le réseau, entrent sur Twitter, entrent en contact avec tous les autres agents de changement. Invitez du monde. On va se faire une game de beach volley. On a des balles. Alors, voilà. Donc, je tiens à remercier Monique et Nathalie pour l'invitation et pour le refaire. Et surtout, tous les agents de changement, merci d'être dans ma vie, merci d'être là et merci de partager encore avec passion ce que vous faites. Merci.